elle avait un don de guérison. D'un ton articulé sur des mots dans les lignes de l'ouvrage Aïeux, femme de distinction, la force herculéenne, Ondoa Kalara, promoteur du Café Kalara, draine le texte pour les deux candidates au concours de dictée à l'Istagneto Onana ce 23 juillet. C'est la troisième catégorie du genre, dont celle de 17 à 25 ans, qui fait ses preuves. Le but reste inchangé, mettre en service la diffusion et la commercialisation des œuvres littéraires. Notre objectif est simplement à sortir le livre des enclaves et classiques, comme j'ai coutume à le dire, des bibliothèques, des médiathèques, pour que le livre soit toujours un outil quotidien, pour que personne ne puisse se soustraire. Ceci participe à la diffusion et à la politique de la visibilité des produits anglais. Des écrivains qui ne sont pas des artistes moindres, il en est conscient. C'est pour cette raison que ces cadres du ministère des Arts et de la Culture ont assisté à cette activité qui veut amener les livres à tailler leur part du lion auprès des potentiels lecteurs. Les réseaux sociaux, les téléphones intelligents, le style épistolaire a disparu. On n'écrit plus et forcément on ne lit plus. Alors, le ministère des Arts et de la Culture a une direction dite du livre et de la lecture. Ça voudrait dire que nous encourageons les lectures publiques. Nous souhaitons que le cinéma épistolaire garde sa place parce que la documentation est essentiellement écrite. C'est dans ce cadre idéal, le Raffaello Pizza, que tout se déroule. Ce concours est assorti des lectrices d'expression anglaise mais qui se défendent comme des chefs. Le combat pour la lecture est encouragé non seulement par le MINAT mais également par la politique commerciale de cette pizzeria. Les espaces de Raffaello ne sont pas que des espaces de vente. Ce que nous souhaitons, c'est que si les gens restent à la maison, se demandent où est-ce qu'ils peuvent aller. Pour clôturer la boucle, la catégorie de 36 à 77 ans passera ce samedi 24 juillet à la bibliothèque Kama Sophia. En attendant, le 23 août 2021, date de la remise officielle des prix.